وَمَا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui nous allons commenter le hadith, le 47e hadith de Sahih al-Bukhari, dans le chapitre de toujours de l'imam, de la foi, et la rubrique Babu Ittiba'u al-Janaizi من الإيمان. Alors الإمام البخاري رحمه الله نفعنا بعلمه يقول حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الآخر من الأجر بقيراطين فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط تابعه عثمان المؤذن. Alors ici, lorsqu'on parle de taba'ahu, c'est ce qu'on appelle le mutaba'at. Ça veut dire que Uthman al-Mu'addin a suivi Rawh. Il a suivi Rawh, qui est le deuxième cité dans la chaîne de transmission. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي نحوه. Ça veut dire qu'il a rapporté un hadith qui lui ressemble et qui lui est presque similaire. Et deux parties de ce hadith se retrouvent dans le Bukhari les a recités à un autre endroit, notamment lorsqu'il parlait de la chapitre de Janaïz, et c'est le hadith 1323 et 1325. Donc on est dans la rubrique suivre le convoi funèbre fait partie de la foi. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah dit Ahmed ibn al-Manjoufi, Ahmed ibn Ali al-Manjoufi nous a rapporté sur Rawh. Alors, Rawh, il ne précise pas tout le nom, son nom détaillé, mais il s'appelle Rawh ibn Ubada al-Qaisi. Sur Aouf, qui s'appelle ibn Abi Jamila, sur Al-Hassan, et il veut parler ici de Al-Hassan al-Basri, ainsi que Muhammad, donc ici il parle de Muhammad ibn Sirin. Donc en fait, ici il cite les deux en même temps, ils sont au même étage en fait de la chaîne de transmission. Donc Aouf rapporte sur Al-Hassan ainsi que sur Muhammad, et les deux rapportent sur Abu Huraira radiallahu anhu que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui suit le convoi funèbre d'un musulman avec foi et en espérant avoir une récompense et reste jusqu'après la prière mortuaire et l'enterrement obtiendra une récompense de deux qirat. Chaque qirat équivaut en poids à la montagne de Hud. Quant à celui qui prie sur la dépouille, puis revient involontairement, il reviendra avec un seul qirat. Ensuite, le Bukhari a cité une autre chaîne de transmission qu'on appelle Mutaba'a. Et cette fois-ci, il s'agit de Uthman al-Mu'addin, qui est le cheikh direct de al-Bukhari, rahimahullah. Donc Uthman al-Mu'addin a suivi Rawh. En rapportant le même hadith, en disant Aouf nous a rapporté. Donc, dans cette deuxième chaîne de transmission qu'a cité l'imam al-Bukhari, il y a une personne qui saute, qui n'est pas dans la chaîne de transmission, et il s'agit ici de Rawh. Rawh n'existe pas dans cette chaîne de transmission, ce qui fait que cette chaîne de transmission est plus courte, elle est plus courte que la première. C'est ce qu'on appelle Sanadun Alin, elle est plus courte que la première. Et on va comprendre pourquoi l'imam al-Bukhari a cité la chaîne de transmission qui est longue, et alors que la deuxième, il a cité seulement en soutien, il a cité combat. Alors que théoriquement,
on doit citer la chaîne de transmission la plus courte, Sanad al-Ali. Donc il a rapporté sur Muhammad, donc il s'agit de Muhammad ibn Sirin, qui a rapporté sur Abu Huraira, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le même propos. Et donc vous voyez ici que Al-Hassan al-Basri a sauté de la chaîne de transmission. Il a cité uniquement Muhammad ibn Sirin. Alors commençons déjà par l'expertise de la chaîne de transmission. Abu Huraira a rapporté ce hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui l'a rapporté sur Abu Huraira, c'est deux tabi'in, Abu Tabi'in. Il y a Al-Hassan al-Basri et il y a Muhammad ibn Sirin, qui sont deux grands tabi'in, parmi les grands tabi'in. Et des gens de confiance, des gens qui ont une biographie très intéressante. Bon, ici, je vous passe leur biographie, peut-être qu'on le fera une autre fois lorsqu'on tombera sur eux. Mais en tout état de cause, c'était des gens d'une grande confiance. Et c'était deux grandes références. Et ils ont beaucoup de proximité tous les deux. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, était né 2 ans avant la mort, avant l'assassinat de Omar ibn Khattab, ça veut dire en l'an 21 de l'Hijr, il est né. Et Muhammad ibn Sirin est né 2 ans avant l'assassinat de Uthman ibn Affan, ça veut dire en l'an 33 de l'Hijr. Donc, Al-Hassan al-Basri était plus âgé de 12 ans que Muhammad ibn Sirin. Ils sont tous les deux nés à Médine, mais à la fin de leur vie, ils ont passé la fin de leur vie à Al-Basra. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de Al-Hassan al-Basri. Il était connu beaucoup plus à Al-Basra, puisqu'entre-temps, il participait à plusieurs conquêtes musulmanes, donc il n'était pas assez connu. Mais après, donc, lorsqu'il s'est adonné à l'exhortation, à Doros, à l'enseignement, il était plus connu à Al-Basra. Et les deux sont morts la même année, en l'an 110 de l'Hijr. Donc, l'an 110 de l'Hijr, ce qui fait que Al-Hassan al-Basri a vécu presque 90 ans. Et Muhammad ibn Sirin a vécu 78 ans à peu près. Donc, mais ils sont morts à... Enfin, Muhammad ibn Sirin est mort 100 jours exactement après la mort de Al-Hassan al-Basri. Une centaine de jours après la mort de Al-Hassan al-Basri. Alors, ce qui est certain, c'est que Muhammad ibn Sirin a bel et bien entendu ce hadith de Abu Huraira radiallahu anhu. Pourquoi? Parce que les savants s'accordent tous, les spécialistes du hadith s'accordent tous à dire que Muhammad ibn Sirin a fréquenté énormément Abu Huraira. Donc il a entendu ce hadith de sa part, ce qui a été confirmé par la deuxième chaîne de transmission qui a été citée par al-Bukhari dans cette rubrique. En revanche, Al-Hassan al-Basri n'a pas entendu Abu Huraira. La majorité des savants dit qu'il ne l'a pas entendu, même s'ils étaient des contemporains, mais chacun était dans une ville. Mais il ne l'a pas entendu. Donc, à partir de là, on se demande de qui Al-Hassan al-Basri a entendu ce hadith. Ça veut dire qu'entre lui et Abu Huraira, il y a forcément un intermédiaire. Mais Al-Hassan al-Basri a dit, Abu Huraira a dit. Abu Huraira a dit. Ou je rapporte sur Ola. On m'a dit que Abu Huraira a dit. Mais il n'a pas dit, j'ai entendu Abu Huraira. Sami'tu Abu Huraira. Il n'a pas dit, Abu Huraira nous a citer ce hadith. D'accord ? Et il a dit An Abi Huraira, selon Abu Huraira. C'est ce qu'on appelle l'an'ana. Et parfois, l'an'ana, alors je dis selon monsieur Intel, ça veut dire deux choses l'une. Soit je l'ai entendu moi-même, soit on m'a rapporté qu'il a dit. Alors je dis selon Intel. Mais lorsque je dis j'ai entendu Intel dire, ça veut dire que je l'ai entendu, à moins que je sois un menteur. Donc Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, il avait cette habitude de rapporter des hadiths d'un contemporain, comme c'est le cas ici, son contemporain c'est Abu Huraira, sans citer de qui il l'a entendu. Il y a un intermédiaire entre lui et ce contemporain, mais il ne l'a pas entendu directement. Et il a aussi l'habitude de rappeler, de citer le Mursalat. Mursalat, ça veut dire de dire « le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ». Or, lui, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il y a forcément un intermédiaire de qui il a entendu cela. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est chez les spécialistes de hadith, at-tadlis, qu'on peut traduire par la fraude. At-tadlis. Ça veut dire quoi, at-tadlis? Ça veut dire rapporter sur un contemporain que tu n'as pas entendu, mais sans citer de qui tu as entendu ses propos. Ça s'appelle at-tadlis. Sauf que at-tadlis, il y a plusieurs catégories de at-tadlis.
Il y a celui qui le fait d'une manière préméditée pour mentir. Et ça, il faut le débusquer, bien entendu. Et il y a celui qui le fait parce qu'il ne voyait pas, de besoin à ce qu'il cite celui de qui il a entendu. Par exemple, nous avons un cheikh qui nous rapporte des hadiths, qui nous fait des doros. Un jour, moi, j'étais pas présent à Dars, mais mes pères m'ont rapporté qu'il a dit telle chose. D'accord ? Donc, je vais dire, cheikh a dit telle chose, sans dire qui me l'a rapporté. Parce que je fais confiance à celui qui me l'a rapporté. Donc, ici, mon intention, elle est bonne. D'accord ? Mon intention est bonne. Mais j'ai commis une fraude dans la science du hadith. Parce qu'il fallait que je cite qui me l'a dit. Et ça, pourquoi on peut trouver cela ? À ce niveau-là, bien entendu, de tabi'in, des gens qui sont de confiance, c'est parce qu'à l'époque, au départ, on ne s'intéressait pas aux chaînes de transmission avec détail. C'est que les gens, il y avait des gens de confiance et tout. Mais lorsque le fitna a commencé, c'est là où on a commencé à citer les détails. Et c'est pour ça que Mohamed ibn Sirin lui-même a dit, on ne s'intéressait pas aux détails des rapporteurs, mais lorsque le fitna est apparu, là, à chaque fois, on disait... Citez-nous les hommes de qui vous avez rapporté ce hadith. Mais lorsque Hassan al-Basri dit j'ai entendu un tel dire, ceci veut dire qu'il l'a entendu. Parce que Hassan al-Basri ne ment pas, ce n'est pas un menteur. Donc là c'est clair. Donc lorsqu'on dit que Hassan al-Basri est un mudallis, il ne faut pas le voir dans le sens péjoratif. C'est quelqu'un de confiance, c'est un grand savant. Mais parfois, il rapporte des hadiths sur des contemporains sans citer de qui il l'a rapporté. Ceci parfois, il arrivait chez d'autres personnes lorsque, par exemple, quelqu'un d'un grand savant a cité un hadith d'un contemporain et ce hadith-là, il l'a entendu d'un intermédiaire qui est un petit, n'est-ce pas quelqu'un de... C'est pas un grand savant, ça c'est ce qu'on appelle Riwayatul Kibar et Anisera. Et parfois il occulte de qui il l'a entendu. Il cite directement, voilà, c'est un tel qui l'a dit. Ça s'appelle Tedlis. Parfois il y a un dars, ou bien une discussion. Et là, donc la personne qui va parler va dire le prophète a dit, ou un tel a rapporté sur le prophète qu'il a dit. Donc il ne voit pas de nécessité à citer tous les détails, parce que là on est dans une discussion. Mais lorsqu'on est dans un dars de hadith, là, on fait bien entendu très attention et on cite les détails parce qu'on transmet les hadiths du prophète. On a des élèves qui vont transmettre sur nous et dans ce cas, on fait très attention. Donc là, l'imam Hassan al-Basri, il pouvait être dans cette situation où c'était dans un cours, dans une exhortation et il cite, il dit par exemple Abu Huraira. Selon Abu Huraira, le prophète a dit. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc Hassan al-Basri n'a pas entendu Abu Huraira. En revanche, Mohamed ibn Sirin a entendu Abu Huraira radiallahu anhu. Alors le Bukhari a cité une deuxième chaîne. Déjà d'une part, cette chaîne-là, il n'y a pas le Hassan al-Basri dedans. Comme ça, il n'y aura pas de critique. Personne ne peut critiquer et dire oui, mais il y a un doute. Non, Mohamed ibn Sirin a entendu le hadith. Donc le Bukhari a cité cette chaîne. Et pourquoi vous allez me dire qu'il a cité le Hassan al-Basri dans la première chaîne de transmission? Parce que le hadith a été transmis comme ça. Ça veut dire que Aouf a dit comme ça, il a dit Al-Hassan al-Basri et Mohamed ibn Sirin ont rapporté sur Abu Huraira. Donc à partir de là, celui qui l'a entendu de lui, il l'a rapporté ainsi, fidèlement, tel qu'il l'a entendu. Mais la deuxième chose, la question qui peut se poser, c'est que Bukhari a cité une deuxième chaîne de transmission plus courte sur son cheikh qui s'appelle Uthman al-Mu'adhin. Et théoriquement, c'est celle-là qu'il devait mettre au départ. Parce qu'on va dire, c'est celle-là, elle est plus courte, donc elle est plus intéressante que la deuxième. Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que pour l'imam al-Bukhari, Uthman al-Mu'adhin est moins précis que Rawah. Rawah est plus précis que Uthman al-Mu'adhin. Uthman al-Mu'adhin, c'est le cheikh direct de l'imam al-Bukhari. Et malgré cela... Donc il a laissé à la deuxième chaîne de transmission. Parce que Aouf est plus précis, donc il a préféré citer la version de Aouf, d'accord, plutôt que la version de son cheikh direct, Uthman al-Mu'adhin. Donc c'est pour ça que cette version-là, il l'a laissée en second plan, seulement pour renforcer la première chaîne de transmission. Regardez le caractère minutieux de l'imam Bukhari dans la transmission des hadiths. Venons-en maintenant au hadith lui-même. À l'énoncé du hadith. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. Celui qui suit le convoi funèbre d'un musulman avec foi et en espérant avoir une récompense. Première question qui se pose, est-ce qu'il faut, comment faut-il suivre le convoi de funèbre? Parce que lorsque le prophète a dit Mani Tabaa, ça laisse entendre, ça veut dire il l'a suivi. Donc lorsqu'on a un convoi de funèbre, on marche avec le défunt, avec la dépouille du défunt, est-ce qu'il faut se mettre derrière? Est-ce que c'est ça ce qu'il faut comprendre du hadith? Celui qui suit. Suivre, ça veut dire se mettre à l'arrière. Est-ce que dans ce cas, on a le droit de se mettre devant le cortège, devant le convoi? Ça, c'est une question qui s'est posée. Alors, pour les Ahnaf, eux, ils disent qu'il convient d'accompagner le convoi funèbre en marchant derrière. Il faut marcher derrière. Quels sont leurs arguments? Premier argument, c'est ce hadith-là. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mani tabaa » Et « tabaa » dans la langue arabe signifie notamment si le frère peut diminuer le son parce qu'il y a de l'écho. Frère Youssef, Allah jazakallah. Donc « tabaa » la première signification qui saute à l'esprit c'est « il a suivi ». C'est comme lorsqu'on dit « tabaa'tu l'imam » j'ai suivi l'imam, ça veut dire je me suis mis derrière lui pour le suivre. On ne se met pas devant un imam, on se met à l'arrière. Donc ça c'est leur premier argument. Leur deuxième argument, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Al janazatu matbu'a, wa laysat bitabi'a, wa laysa ma'aha man taqaddamaha. Donc la janaza, le convoi funèbre, doit être suivi et non suiveur. N'en fait pas partie celui qui la devance. C'est comme s'il ne fait pas partie du cortège. Mais le problème, c'est que ce hadith-là est faible. D'accord? Donc les Ahnaf se sont basés dessus, mais il est faible. Et parmi ceux qui l'ont affaibli, l'Albani, rahimahullah. Il se base aussi sur un deuxième hadith, rapporté par Abu Shayba, par Ahmed, par Al-Bayhaqi et par Tahawi. Et Tahawi le considère d'ailleurs comme un hadith authentique. Et même Ibn Hajar al-Asqalani dit la chaîne de transmission de ce récit-là est authentique. Donc ce récit-là, il est rapporté sur Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et dans ce récit-là, Ali ibn Abi Talib était à l'arrière d'une dépouille d'un défunt. Et il y avait deux grands compagnons qui étaient devant, parmi lesquels Abu Bakr. Et quelqu'un, il lui a dit, pourquoi il marche devant le cortège? Et Ali ibn Abi Talib a dit, marcher derrière le convoi est plus méritant que marcher devant. À l'instar du mérite de la prière en groupe, la prière d'un homme en groupe, par rapport à sa prière seule. Mais les deux compagnons, ils ont marché devant, seulement pour faciliter la tâche aux gens, pour leur dire que c'est permis. Mais le mieux, c'est d'être à l'arrière. Donc l'Ahnaf, il se base sur ce récit, qui est important. Et il y a aussi une autre logique, cette fois-ci sur laquelle ils se basent, c'est qu'ils disent, marcher derrière le convoi, et plus, procure plus de révérence, il donne plus de l'khushu lorsque tu es derrière le convoi et tu vois la dépouille du défunt. Donc tu médites plus. Donc voici les arguments sur lesquels Ahnaf se sont basés pour dire que le plus méritant c'est de marcher derrière le convoi. En revanche, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed ibn Hanbal, eux ils disent le contraire. Ils disent que la sunna c'est de marcher devant le convoi funèbre. Et ils se basent sur un faisceau de preuves. Première preuve, c'est qu'ils disent que Abu Daoud, At-Tirmidhi, Al-Nasa'i, rapporte sur Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'Abu Bakr, ainsi que Omar, ainsi que Uthman, marchaient devant le convoi funèbre. Et le hadith est sahih. Donc là, on ne peut pas trouver plus. Le prophète l'a fait et les califes après lui l'ont fait. Les trois premiers califes. Deuxième chose, ils disent que taba'a ne signifie pas exclusivement se mettre à l'arrière de quelqu'un. Taba'a veut dire aussi accompagner, tout simplement. Et lorsqu'on dit accompagner, peu importe où est-ce que tu te mets. Lorsque Moussa alayhi salam a rencontré le Khadr, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rujda. Est-ce que ça veut dire attabi'uka, je me mets derrière toi pour que tu m'apprennes? Est-ce que je t'accompagne? Pourrais-je t'accompagner? Et lorsque je t'accompagne, je peux me mettre à côté, devant, à l'arrière. Ce n'est pas un problème. Le but, c'est d'accompagner. Donc, taba'a
à un autre sens, c'est accompagner. Donc c'est pour cela qu'il refute la signification donnée par les Ahnaf. En plus, ils disent, ceux qui accompagnent une janaza, ils sont comme des intercesseurs auprès de Dieu. Ils vont aller, ils invoquent pour le défunt. Et un intercesseur, normalement, il se met toujours devant celui pour qui il va faire l'intercession. Et pas derrière lui. Tu veux intercéder en la faveur de quelqu'un, tu ne te mets pas derrière lui et tu vas devant quelqu'un pour lui dire, j'intercède en la faveur de celui-là. Non, tu le ramènes derrière toi. Tu lui dis, j'intercède en la faveur de celui-là, de cette personne qui me suit. Donc voici la réponse donc à cette question. Mais il y a d'autres savants, tels que parmi les Hanbalites, et tels que Tabari, ainsi que Shawkani, qui dit, alors lorsque je dis Tabari, ça ne veut pas dire qu'il est Hanbalite. Donc il y a certains Hanbalites ainsi que Tabari, pour être plus explicite, parce que Tabari, il avait un madhhab lui-même. Donc certains Hanbalites ainsi que Tabari et Shawkani disent qu'il n'y a pas de préférence à marcher devant ou à l'arrière. Le plus important, c'est d'aller vite pour enterrer le défunt. Et donc, il n'y a pas de préférence. Et c'est pour cela que dans nos pays, vous trouvez que certains marchent devant, certains marchent à l'arrière. Alors, est-ce qu'on a le droit d'accompagner un convoi funèbre en étant sur une monture? Aujourd'hui, en étant à l'intérieur des voitures. À l'époque, c'était sur une bête, par exemple. Alors, selon les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites, il est déconseillé de le faire. Et le mieux, c'est d'être à pied, de marcher derrière le convoi à pied. Car selon un hadith valide rapporté par Abu Daoud, le Hakim, le Bayhaqi, sur Thauban, ce dernier dit, on a ramené au prophète sallallahu alayhi wa sallam une monture alors qu'il était dans un convoi funèbre. Mais il refusa de le monter. Il préféra marcher sur ses pieds. À son retour, après avoir enterré la dépouille, à son retour, on lui a ramené une monture et il la monta. Lorsqu'on l'interrogea sur ce qu'il a fait, il répondit, les anges marchaient. Et il ne convenait pas que je sois sur une monture pendant que eux marchaient. Mais lorsqu'ils sont partis, j'ai monté donc la monture. Donc c'est pour cela qu'ils disent que c'est déconseillé d'être sur une monture. Mais bien entendu, lorsqu'on est dans un contexte comme le nôtre, où par exemple le cimetière est très éloigné, d'accord, dans ce cas, il n'y a pas de mal à être dans des voitures. Par ailleurs, selon les Malikites, les Hanbalites et l'imam Ibn Hazm, si on est sur une monture, il vaut mieux suivre le convoi par l'arrière. Et ça, c'est aussi pour éviter que les gens respirent la poussière qui va être remontée par la marche de la monture. Donc, il vaut mieux être à l'arrière. Et comme je viens de dire, lorsque le cimetière est loin de l'endroit où la personne est morte, la majorité des savants ne voient pas de mal à ce qu'on transporte le corps du défunt sur une monture, comme aujourd'hui on le met dans une voiture avant de le ramener au cimetière. Parce qu'il faut voir, à l'époque, les villes étaient toutes petites et le cimetière était au milieu de la ville, et à n'importe quel endroit on pouvait venir à pied, marcher pour ramener la monture. Et aujourd'hui ça se fait dans nos villes, dans nos villages, mais maintenant que les villes sont très grandes et les cimetières, parfois on les met à l'extérieur de la ville, parce que malheureusement on veut que personne ne réfléchisse à la mort, et on met des grandes murailles pour qu'on ne voit pas les tombes. Donc là, si on se met sur une monture, il n'y a pas de problème. Qu'en est-il des femmes maintenant? Parce que ça, c'est une question qui se pose beaucoup. Est-ce que les femmes ont droit de suivre un convoi funèbre? Alors, l'imam al-Bukhari ainsi que Muslim rapportent sur Umm Atiyya radiallahu anha qu'il a dit « Nuhina an nattabi' al-janaiza wa lam yu'zam alayna » On nous a interdit d'assister aux funérailles, mais on n'a pas insisté. On n'a pas insisté sur l'interdiction. Et lorsqu'un compagnon dit « Nuhina », on nous a interdit ou nous a ordonné, forcément, il sous-entend que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit ou autorisé. Donc « Nuhina », ça veut dire « le prophète nous a interdit ». Mais ce hadith, comment les savants le comprennent? L'imam Ibn Hajar, rahimahullah, a dit, en interprétant ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas confirmé l'interdiction comme il l'avait confirmé dans d'autres interdictions. C'est comme si elle disait, il est abhorré aux femmes de suivre la janaza sans que ça soit vraiment interdit. C'est seulement déconseillé. Voilà ce qu'on peut comprendre de la parole de Umm Atiyya. L'imam Qurtubi a dit, le sens apparent des propos d'Umm Atiyya est que cette interdiction est une interdiction d'exemption, ce qu'on appelle karahat tanzih, ou karahat tahrim.
Lorsque je te dis, par exemple, je te déconseille de boire debout. Elle dit karahat tenzi, c'est une interdiction d'exemption. Vaut mieux pas que tu bois debout, bois assis. Mais tu peux boire debout parce que on a des récits qui disent que le prophète a bu debout. Mais lorsque je te dis ne mange pas avec la main gauche, ça aussi c'est déconseillé. Mais là, on est dans pas d'exemption, mais d'interdiction. C'est toujours déconseillé, mais un déconseil dans le sens d'interdiction. On est dans karahat at-tahrim. On se rapproche de l'interdiction dans le tahrim, et le haram. Presque on est dans le haram. Tenzi, on est un cran en dessous. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et d'ailleurs, Ibn Abbas, radiallahu anhuma, Imam Malik, ainsi que les savants de Médine, ont tous autorisé la femme à assister à la janaza. Et ils se basent tous sur un hadith rapporté par Ibn Abi Shayba, par Ibn Majah et par Al-Nasa'i, sur Abu Hurayra radiallahu anhu, qui dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam assistait une fois au funérail. Lorsque Omar ibn Khattab aperçut une femme, et Omar l'a réprimandée. Il a réprimandé cette femme, pourquoi elle est dans le cortège funèbre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Da'ha ya Omar, fa'inna l'ayna dami'a, wal nafsa musaba, wal ahda qarib. » Donc il lui a dit « Laisse-la Omar, et il ne lui interdit pas de venir avec nous. Laisse-la Omar, car l'œil est pleurant, l'âme est affectée, et le temps de séparation est court. » C'est-à-dire elle vient de se séparer de son proche. Donc là, vous voyez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cette femme à accompagner. C'est pour cela que Umm Atiyah a dit on n'a pas insisté sur l'interdiction. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit, comme l'a fait Omar ibn al-Khattab. Donc ça, c'est une preuve irréfutable que la femme peut accompagner le cortège funèbre, surtout lorsqu'on sait que la femme est née, elle peut se retenir, ne pas trop crier, ne pas se lamenter, ainsi de suite. Donc dans ce cas, il n'y a pas de mal à ce qu'elle participe au cortège funèbre et a participé même à l'enterrement. Alors ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Imanan wa ihtisaba » comme pour le jeûne. « Man sama ramadana imanan wa ihtisaba » Imanan wa ihtisaba, ça veut dire avec foi et en espérant avoir la récompense. Et donc ces deux conditions-là, forcément, ils excluent tous ceux qui suivent le cortège ou qui prient sur le défunt par courtoisie. Ouais, par courtoisie. Il n'attend pas la récompense de Dieu. Il ne le fait pas parce que Dieu a insisté là-dessus. C'est seulement par courtoisie. Ou bien il le fait par crainte. Lorsque quelqu'un, un ministre, quelque chose comme ça, est décédé, il faut être présent. Sinon, après, ils vont faire un rapport sur toi que tu n'as pas participé au cortège. Donc là, tu dois venir par crainte. Là, tu n'as pas l'ajr. Tu n'as pas de récompense parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu. Ou par avidité terrestre. Il y a un qui va suivre le cortège pour aller dans le cimetière parce qu'ils vont distribuer les dates, ils vont distribuer le karmos et ainsi de suite, ou le pain. Et donc ils vont là-bas. Et il y a beaucoup qui le font pour aller manger. Donc à deux, par avidité. Donc à deux, ils n'ont pas de récompense, bien entendu. Donc il faut qu'il y ait cette intention. Et aussi l'intention d'invoquer pour le défunt. Il n'y a pas que le fait de dire ah, je vais aller récupérer le qayrat et le qayratayn de l'ajr. Autant plus pour le défunt. Alors avant tout, tu vas pour intercéder en la faveur du défunt. Tu fais des invocations pour lui. Parfois, tu vois des personnes qui, pendant toute leur vie, ils critiquent quelqu'un. Ils le critiquent, mais vraiment bien. Ils le descendent toujours. Ou là, le janaza, il va, il te dit, pourquoi tu viens pour lui faire dua? Non, là, je viens seulement pour chercher le qairat ou le qairatayn. Mais moi, il ne m'intéresse pas, lui. C'est le qairat qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis venu. Vous voyez parfois la contradiction dans laquelle on peut tomber. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa kana ma'ahu » et il est resté avec le défunt. « Wa kana ma'ahu hatta yusalla alayha » et il est janaza. « Wa yafrura min dafniha » Donc, celui qui suit le janaza, le défunt, avec foi, espérance, et en espérant avoir la récompense, et reste jusqu'à la prière mortuaire et l'enterrement. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce passage? Donc, il convient de rester avec le janaza jusqu'à ce qu'on prie dessus. « Hatta yusalla alayha » Selon certains, ils lisent « Hatta yusalliya alayha » jusqu'à ce qu'il prie dessus. Il y a une différence entre « yusalla alayha » jusqu'à ce qu'on prie dessus et « yusalliya alayha » jusqu'à ce qu'il prie dessus. Si on lit jusqu'à ce que lui, il prie dessus, ça veut dire que sa prière est nécessaire. Il faut qu'il prie dessus pour avoir l'ajr. Mais si on dit « Hatta yusalla alayha » ça veut dire que s'il y a une raison qui l'a empêché de prier,
il aura quand même l'ajr. Par exemple, quelqu'un qui venait, supposons, on a annoncé qu'on va faire la prière mortuaire sur quelqu'un à la mosquée, et il est venu à la mosquée, mais au moment d'arriver, il n'avait pas ses ablutions. Le temps d'aller faire les ablutions, les gens, ils ont terminé la prière. Est-ce qu'il aura l'ajr cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Selon la version de Bukhari, au salat, jusqu'à ce qu'on prie dessus, il aura l'ajr. Même si ce n'est pas lui qui a prié. Mais selon ceux qui lisent, yusalli alayha, il n'aura pas l'ajr parce qu'il n'a pas fait la prière lui-même. Ou bien une excuse, il est arrivé en retard, par exemple. D'accord ? Donc ça c'est, donc, mais la version citée par Bukhari, hatta yusalla, jusqu'à ce qu'on prie dessus. Donc il aura quand même l'ajr, cité par le hadith. Alors, quels sont les moments où on peut accomplir la prière de Sobh ? C'est pareil que les autres prières. On a le droit de faire la prière de l'janaza à tous les moments de la journée, y compris après Sobh et après l'asr. Et ça, il y a l'unanimité des savants dessus. Vous savez que le sunan, on ne le prie pas après Sobh et après l'asr. Il est déconseillé de le faire, voire interdit. Mais pour Salat al-Janaza, on peut la faire après Sobh et on peut la faire après l'Asr. Là où il y a divergence, c'est seulement est-ce qu'on peut prier sur le Janaza au moment du lever du soleil et au moment du coucher du soleil et au moment du zénith, ça veut dire juste avant d'or, lorsque le soleil est au milieu du ciel. C'est là où il y a une divergence entre les savants. Les Hanafites et les Hanbalites, ils interdisent la prière sur le Janaza au lever du soleil, à son coucher et au zénith. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur un hadith de muslim qui le rapporte sur Uqba ibn Amir, radiyallahu anhu, qui dit « Trois moments, thalathu sa'atin nuhina an nusalliya fiha ou an nadfuna mautana. » Trois moments au cours desquels le messager sallallahu alayhi wa sallam nous interdisait de prier et d'enterrer nos morts. Premier moment, lorsque le soleil apparaît, jusqu'à ce qu'il s'élève. Lorsque le soleil est au zénith, jusqu'à ce qu'il descende. Et lorsque le soleil s'apprête à se coucher, jusqu'à ce qu'il se couche. Donc à partir de là, ils se sont basés sur ce hadith pour dire, puisque la prière est interdite, donc on ne peut pas faire le janaza à ces trois moments. En revanche, pour les Shafi'ites, et pour l'imam Malik selon une version, ainsi que pour l'imam Ahmed selon une version, ils autorisent la prière même en ces trois moments. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent qu'elle est différente des autres prières surérogatoires. Elle est différente des autres prières surérogatoires. Parce que les autres prières, il y a le roko, il y a le sujoud. Cette prière, elle est un peu particulière. Il n'y a que le fait d'être debout. Et c'est pour ça d'ailleurs que les malikites, par exemple, ne voient pas qu'il faut réciter surat al-fatiha. Pour les malikites, on ne récite pas le fatiha lors de la prière de l'janaza. Il n'y a que l'ad'iyya. Que le dua pour les quatre takbirat. Allahu akbar, Allahu maghfir lahu, warhamhu, wa'afi, wa'fu anhu, Allahu ba'id bayna. Deuxième, troisième, quatrième, il n'y a pas le fatiha. Mais d'autres, comme ils la considèrent comme les autres prières, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de prière sans récitation de le fatiha, ils ont dit il faut réciter le fatiha. Voilà où il y a divergence. Donc pour Shafi'iyya, ainsi que Malik selon une version, et ainsi que l'imam Ahmed selon une version, on peut prier même au lever du soleil, au coucher du soleil et au moment du zénith. Alors par ailleurs, notre hadith prouve qu'on doit prier sur le corps après, avant l'enterrement. Le hadith il va dans l'ordre, il faut d'abord prier et ensuite enterrer. Est-ce que l'inverse est possible ? C'est-à-dire, normalement c'est pas possible, sauf si quelqu'un n'a pas prié sur le défunt et lorsqu'il est venu, il a trouvé qu'on l'a enterré. Dans ce cas, il a le droit de prier sur la tombe. D'accord ? Il a le droit de prier sur la tombe. Pourquoi ? Parce que le Bukhari et Muslim rapportent sur Ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur une tombe après l'inhumation. Il a alors accompli quatre takbirat. Et il y a aussi le fameux hadith où on parle d'une femme qui nettoyait la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas trouvé quelques jours. Il leur a dit « Où est cette femme ?» Ils lui ont dit « Il est décédé et on l'a déjà enterré. » Il leur a dit « Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu ?» Montrez-moi sa tombe. Et il est allé jusqu'à sa tombe et il a prié dessus alors qu'il était déjà enterré. Mais normalement, elle dit, c'est pour quelqu'un qui a raté quelque part la prière sur le défunt. Mais il faut le faire les jours qui suivent. C'est pas à chaque fois qu'on y va ou quelque chose. Là, on fait qu'une invocation. Mais le fait de prier, ça, on ne le fait que dans ces circonstances.
Alors, bien entendu, la prière mortuaire peut se faire soit à la maison du défunt, soit à la mosquée, soit à côté du cimetière. D'habitude, il y a un endroit à l'entrée du cimetière où les gens prient et ensuite on fait entrer. Donc ça, c'est autorisé. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « فَإِنَّهُ يَرْجَعُ » Celui qui donc a fait la prière et il est resté jusqu'à l'enterrement. Il est resté jusqu'à la fin de l'enterrement. « فَإِنَّهُ يَرْجَعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاطَيْنِ كُلُّ قِرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنْ فَإِنَّهُ يَرْجَعُ بِقِرَاطٍ » Donc celui qui reste, qui prie et qui enterre, obtiendra une récompense de 2 qirat. Chaque qirat comme la montagne de Uhud. Quant à celui qui prie uniquement sur la dépouille, puis revient avant l'enterrement, dans ce cas, il aura seulement la moitié. Il aura un seul qirat. Qu'est-ce qu'on comprend de ce passage ? Celui qui s'est contenté de prier sur le défunt, seulement la prière, il a un qirat, n'est-ce pas ? Maintenant, il accompagne le convoi funèbre, il accomplit la prière, et il participe pour l'enterrement, il a 2 qirat. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'autrefois, en général, les gens décèdent chez eux. Ils décèdent chez eux. C'est pas comme aujourd'hui, on est dans l'hôpital et on décède dans l'hôpital, en général. Là, c'était l'inverse avant. On est chez soi et on meurt chez soi. Donc déjà, le prendre de chez lui jusqu'à la mosquée, ça, il y a un premier convoi. Et depuis la mosquée jusqu'à l'enterrement, ça, c'est un deuxième convoi, dans la continuité. Aujourd'hui, c'est à l'hôpital et après, c'est le pompe funèbre qui le ramène directement à la mosquée. C'est comme si ce convoi-là n'existe plus. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question, est-ce que le fait de participer au convoi est nécessaire ou pas? Parce que nous, à notre époque, en tout cas ici en France, c'est rare qu'on suive un convoi même jusqu'à le cimetière. Ça ne se fait pas. D'accord? Et en plus, il est lointain, donc c'est dans les voitures qu'on y va. Donc, est-ce que le fait de suivre un convoi rentre dans le hadith, comme le laisse entendre l'énoncé du hadith, ou pas? Ça, c'est des questions qui, bien entendu, se posent. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a utilisé le terme de qirat. Ce terme-là, les savants ont beaucoup divergé dessus. Qirat, il y a certains qui disent que c'est un terme grec. Qirat. C'est un terme grec. Depuis les Grecs, on parlait de qirat. Et qui correspond aux graines du caroubier, du caroub. Vous connaissez le caroub? Le kharoub, on l'appelle le kharoub, ça c'est un terme arabe. Les grains de kharoub, les grains de kharoub, on l'appelle le qirat. Parce qu'on pensait que ces grains-là, il n'y a pas de variabilité entre eux, ils ont exactement la même taille. Mais après les études maintenant scientifiques aujourd'hui, avec des poids précis, on trouve qu'il y a une petite variabilité entre les petites graines, mais il y a une petite différence. Mais ce terme-là, il existait déjà à l'époque du prophète, c'est-à-dire chez les arabes, il existait. Et même en Égypte, ça existait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a utilisé pour désigner le poids de la récompense. Il a dit, mais le Jabal Uhud, là, il ne parle pas du volume, il parle du poids. Pourquoi? Parce que le jour du jugement, nos hasanats vont être pesés sur la balance. Celui dont les mawazines sont lourdes. Donc là, il y a le poids. Donc il fait référence ici à une unité, il l'a utilisé comme unité de poids des hasanats. Unité de poids de Hassanat, le professeur Asmi l'utilise. Mais c'était un terme déjà connu, comme je vous ai dit. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, on l'utilise, aujourd'hui, on parle de le kara. Hein? Lorsqu'on parle des bijoux, 18 karats, 19 karats. Kara, là, ça s'écrit avec un T à la fin, c'est qirat, karat. Donc c'est un terme arabe. D'accord? Et aujourd'hui, par exemple, le kara en poids, c'est 200 mg. 200 mg, c'est un kara. Et parfois, lorsqu'on parle de l'or, on te dit 18 carats, 19 carats. Lorsqu'on parle des bijoux précieux, on parle de carats. Ça veut dire au niveau du poids. Par exemple, les perles et tout ça, on parle du poids. Mais lorsqu'on dit le carat par rapport à l'or, 18 carats, 20 carats, 24 carats, ça c'est par rapport à la proportion. Parce que l'or, il est toujours mélangé à d'autres métaux pour qu'il soit solide. Et donc, selon la proportion qu'on utilise d'or, on va parler 18 carats, 20 carats, 24 carats. Donc vous voyez qu'il a plusieurs utilisations, le kara. Et en Égypte, aujourd'hui, le kara, c'est une subdivision du feddan. Ou le feddan, c'est une subdivision de le kilomètre carré. Moi, chez les Égyptiens, ils ont une utilisation spécifique. Ils parlent du feddan. Nous, on parle des arts, de centiards. Eux, ils parlent du feddan. Et ensuite, le feddan, ils le divisent en petites parties. Et là, ils parlent du kara.
Et jusqu'à maintenant, c'était ancien, il parle jusqu'à maintenant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé aussi cette notion d'Al-Qirat dans un autre hadith. Le Bukhari et Muslim rapportent sur Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque acquiert un chien autre que celui destiné à la chasse ou à la garde d'un troupeau perdra chaque jour 2 qirat de sa récompense. » Quelqu'un qui élève un chien chez lui, et c'est pas un chien de chasse et pas un chien de garde. Et à chaque jour, il perd 2 qirat de l'hasanat, de ses hasanat. C'est grave. Donc là aussi, le prophète Asma a utilisé la notion de al-qirat. Alors ce terme-là, chez les Arabes, qu'est-ce qu'il représente, le qirat? Chez certains Arabes, il représente le 1/12 d'un ensemble. C'est une fraction. Le qirat fait référence à une fraction. Le 1/12 d'un ensemble. Pour d'autres Arabes, c'est le 1/24 d'un ensemble. C'est pour ça que vous voyez la notion de 24 carats, d'Eb 24 carats, la notion de 1/24. Et ça dure jusqu'à maintenant. Donc il y a certains qui disent c'est le 1/12, il y a certains qui disent c'est le 1/24. Donc il s'agit d'une fraction. L'imam al-Bukhari d'ailleurs rapporte un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a dit « Il n'est pas un prophète d'Allah » il n'est pas un prophète qu'Allah a envoyé sans qu'il n'ait été berger. Et les compagnons demandèrent, même toi, c'est-à-dire toi aussi tu as été berger. Il a dit oui, d'ailleurs je gardais un troupeau pour des Mécois en échange de quelques qararites. Quelques qararites. Ce qui prouve que le qararite c'était des petites fractions de dirham. Il y avait le dinar, il y avait le dirham et il y avait le qararite. C'est comme si on va dire aujourd'hui les centimes. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est une notion bien connue. Donc là c'est une subdivision de dirham, des fractions de dirham. Et c'est pour cela que certains disent le qirat qui est cité pour le janaza n'a rien à voir pour le qirat qui est cité pour celui qui a élevé un chien. Parce que imaginez celui qui élève un chien, il perd un qirat qui représente Jabal Uhud de ses hasanat chaque jour. Ou déjà faut-il qu'il ramasse des hasanat qui dépassent le qirat. C'est immense, ils disent, les savants disent. Donc c'est pour ça qu'ils disent non, la notion de qirat il change, elle est relative. D'accord, elle est relative. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de savants ont beaucoup réfléchi sur cette question de qirat. Que veut dire qirat? Et parmi ces savants-là, Ibn al-Qayyim al-Jawziya, rahimahullah, et dans son livre Bada'i al-Fawa'id, il dit j'ai longtemps réfléchi pour comprendre ce qu'est le qirat dans ce hadith, jusqu'à ce que je tombais un jour sur les paroles d'Ibn Aqil. Ibn Aqil, c'est un grand littéraire, c'est un imam dans l'oral arabia. Il est mort en l'an 769 de l'Hijra. Que dit Ibn Aqil? Il dit que le qirat, c'est une fraction qui représente le 12e de la récompense totale. Le 12e d'un ensemble, c'est le 12e de la récompense totale. Ça veut dire, pour lui, pour quelqu'un qui prend un chien, qui élève un chien, sans que ça ne soit un chien de chasse ou bien de garde, ou là une raison valable, il perdra le 12e de ses hasanats de sa journée. Toutes les hasanats qu'il a ramassées dans la journée, avec la prière, là, il a lu le Coran, il a visité les malades, toutes les hasanats de sa journée, parce qu'il a ce chien chez lui, il va perdre le 12e, le 6e, parce qu'un qirat c'est le 1/12. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, il a dit il perdra 2 qirat, donc il va perdre le 1/6 de ses hasanats. Et il y a une version qui parle seulement qu'il perdra 1 qirat, le 1/6 de ses hasanats. D'accord? Et pour maintenant le janaza, comment faut comprendre le qirat? Pour donc Ibn Aqil, et ça a été donc adopté aussi par Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit supposons que quelqu'un a accompagné le janaza depuis le début. Pendant que le défunt était en train d'agonir, le futur défunt était en train d'agonir, il l'a accompagné. Il est mort. Il l'a lavé. Il l'a lavé. Il lui a préparé les linceuls. D'accord ? Il l'a porté. Il était dans le convoi. Il l'a porté. Il a fait des du'a pour lui. Il a patienté. Il a participé à l'enterrement. Donc celui-là, il va avoir un ensemble de hasanat. Celui qui s'est contenté seulement d'accompagner le cortège pour prier sur le janaza, et ensuite il a participé à l'enterrement, il aura 2 qirat. Ça veut dire le 1/6 de toutes les hasanat de celui qui a tout fait. Donc c'est une proportion.
voyez, c'est comme ça que donc ces savants l'ont compris. Hein? Et les compagnons, lorsqu'ils ont dit, mais c'est quoi le poil, il a dit, ça veut dire que celui qui accompagne le défunt depuis sa mort jusqu'à la fin, il prépare à manger pour les gens et ainsi de suite. Là, il aura, ça veut dire, il aura combien? Il aura 12 fois plus que celui qui s'est contenté seulement de faire une prière. Oui, c'est comme ça qu'il faut donc comprendre le hadith. Alors, pour l'imam Nawawi, la récompense n'est complète que lorsqu'il y a l'accompagnement du convoi funèbre à l'enterrement. C'est-à-dire, pour lui, l'accompagnement est nécessaire. Celui qui participe uniquement à l'enterrement, comme on le fait maintenant, nous, on part, on dit, on va se retrouver dans le cimetière du Sud. Et vous allez directement dans le cimetière du Sud, on ne suit pas le cortège. Dans ce cas, on n'aura pas un qirat, on aura moins. On aura moins. Ça, c'est pour l'imam Nawawi. En revanche, pour l'imam Az-Zin ibn al-Munayyir, qui est mort en 683, il considère que l'accompagnement du convoi n'est qu'un moyen pour accomplir la prière. Et ce n'est qu'un moyen pour l'enterrement. Donc lui, il dit que l'accompagnant en lui-même n'est pas nécessaire pour avoir la récompense. Ça veut dire quelqu'un comme aujourd'hui chez nous, qui vient directement à la mosquée pour prier sur le défunt, ou là qui va directement au cimetière pour participer à l'enterrement, il aura les récompenses citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne l'exclut pas. La suivi du convoi n'est qu'un moyen pour parvenir à l'objectif lui-même, qui est la prière et l'enterrement. Donc à partir de là, on peut considérer qu'il y a 5 niveaux de récompense. Premier niveau, c'est participer au suivi du convoi. Le suivi du convoi, depuis sa sortie de la maison ou bien de l'hôpital par exemple, participer à la prière mortuaire et participer à l'enterrement. Dans ce cas, on a 2 qirat. Premier niveau. Deuxième niveau, participer au suivi du convoi funèbre depuis sa sortie et à la prière. Donc on n'a fait que la prière. Et le suivi du convoi. On a un seul qirat en récompense. Troisième niveau, participer uniquement à la prière mortuaire sans avoir accompagné le convoi. On a un qirat en récompense selon l'imam Ibn Hajar, même si on n'a pas participé au convoi. Parce que comme on a dit, c'est seulement un moyen. Et Ibn Hajar a validé ou bien il a adopté l'avis de Ibn al-Munayyir. Quatrième niveau, participer uniquement à l'enterrement. Dans ce cas, il n'y a pas de qirat. Parce que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a prié et qui a participé à l'enterrement, il aura 2 qirat. Et celui qui est revenu avant l'enterrement, il n'aura qu'un seul. Mais il n'a pas dit celui qui a fait que l'enterrement et pas la prière. Donc la prière, elle est nécessaire avant l'enterrement. Donc dans ce cas, il aura, celui qui a fait que la prière, il aura quelques hasanat selon son intention. Mais pas autant que le qirat, pas au niveau de le qirat. Et le dernier niveau, c'est participer au suivi du convoi funèbre, mais ni à la prière, ni à l'enterrement. Un de ceux qui suivent seulement pour avoir l'argent. En général, normalement, on doit faire 60. Mais supposons que quelqu'un, il a participé à l'enterrement, il a participé au convoi, seulement au convoi, mais il n'a pas fait la prière, il a participé au convoi, et il n'a pas participé à l'enterrement. Comme des personnes, par exemple, qui ne prient pas. Il vient... Il n'aura pas un qirat et il aura une récompense selon son intention. S'il a une bonne intention, il aura un peu de hasanat. S'il n'a qu'une mauvaise intention, il a une intention purement terrestre, il n'aura aucune hasanat. Maintenant, pour terminer, quel est l'objectif de le fait de suivre le janaza, de prier dessus, de participer à l'enterrement? L'objectif, c'est quoi? C'est de se rappeler de la mort. C'est ça le plus important. Tout ça, c'est de se rappeler de la mort. Déjà, bien entendu, invoquer Allah Azza wa Jal pour le défunt. C'est une intercession pour le défunt. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré que plus il y aura du monde qui participe à une janaza et qui témoigne en faveur de la personne qui est décédée, plus Allah Azza wa Jal accordera son pardon au défunt. Donc d'où l'importance du grand nombre de participations à la janaza. Donc le fait de participer... Donc ça, d'abord, d'une part, ça nous permet de faire des invocations pour le défunt et d'espérer que nous aussi, on bénéficie de plusieurs personnes qui prient pour nous. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ça. Ça, c'est un produit d'appel. De la récompense, c'est un produit d'appel pour qu'il y ait beaucoup de musulmans qui invoquent pour leurs frères. Parce qu'imaginez, il n'y aura pas cette récompense. Vous allez trouver le défunt qu'avec sa propre famille. Comme ça arrive aujourd'hui pour d'autres religions.
Nous sommes pratiquement la seule religion où vous avez quelqu'un qui décède et des gens qui ne le connaissent pas et qui viennent prier sur lui et qui participent à l'enterrement. Dans d'autres religions, vous allez trouver que les amis, la famille et ainsi de suite. Ici, c'est quelqu'un qui n'a pas de famille et il est tout seul. D'accord ? Nous, même si quelqu'un qui n'est pas connu, et on dit parfois, non, dès qu'on entend là, il n'a pas de famille, on vient encore en plus, en grande masse, pour justement contrebalancer le manque qu'il y a. D'accord ? Donc là, c'est pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam incite les musulmans à être solidaires entre eux et solidaires envers leurs défunts, même après les avoir quittés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on se rappelle de la mort. On se rappelle de sa propre, de ses propres priorités. On revoit ses priorités parce qu'on dit, demain, je serai pareil. Et le fait d'accompagner le janaza, ça permet de méditer encore plus. Donc la prière, l'accompagnement du cortège, plus l'enterrement, et tu participes à l'enterrement, tu le vois, on est en train de l'enterrer, tout ça te permet de revoir les priorités de ta vie, de demander pardon à Allah Azza wa Jalla sur tes manquements, et de repartir sur de bonnes bases. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et Ibn Hibban, sur Abu Sa'id al-Khudri, عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. Rendez visite aux malades et suivez les convois funèbres pour vous rappeler de l'au-delà. Pour vous rappeler de l'au-delà. Donc, pourquoi l'imam Bukhari a cité ce hadith dans le chapitre de l'imam? Parce que celui qui suit le janaza, qui prie dessus, qui enterre le défunt, il le fait par foi envers Allah Azza wa Jalla. C'est un acte de foi. Parce que si tu l'as fait, c'est parce que ta foi te dicte de le faire. Parce que tu sais que Dieu a incité à ça. Et c'est pour cela qu'il l'a cité dans ce chapitre. Et regardez, je termine par là, par ça. Le Bukhari déjà, il a dit le fait de nourrir le pauvre fait partie de la foi. Il a dit accomplir le jeûne fait partie de la foi. Chercher la nuit de l'Qadr fait partie de la foi. Jeûner fait la partie de la foi, zakat fait partie de la foi. Il va lui rester dans ce chapitre que ces deux-là. La prière funèbre, et il y aura le khoumous, donner le 1/5 du butin, fait partie de la foi. Il les a laissés à la fin. Pourquoi il les a laissés à la fin? Parce que ces choses-là, déjà, il s'agit d'obligations pour la communauté. Hada fardo kifaya. Si un groupe le fait, ce n'est plus obligatoire pour les autres. Qu'il s'agisse de le janaza, prière sur le janaza, ou qu'il choisisse de participer à un combat pour défendre son pays ou défendre sa religion, et ainsi de suite. D'accord? C'est le dernier. Deuxième chose, il a cité, on va dire pourquoi il a cité le janaza avant de citer le 1/5 du butin. Il a laissé le butin jusqu'à la fin. Parce que en général, lorsque tu vis une vie normale, et tu ne décèdes pas trop tôt, tu vas participer à une janaza. Il n'y a pas un musulman sans qu'il n'ait entendu parler d'une janaza ou le décès de quelqu'un. D'accord? En revanche, pour le combat fi sabilillah et ainsi de suite, tu peux vivre toute ta vie alors qu'il n'y a pas de combat fi sabilillah. Il n'y a pas de raison qui te pousse à faire un combat fi sabilillah. C'est pour ça qu'il a laissé à la fin du chapitre. Il a cité ce qui est obligatoire. Ensuite, il a parlé de ce qui est obligatoire pour la communauté et pas individu par individu. Donc, il restait ces deux-là, janaza ou l'enterrement, et le jihad fi sabilillah. Et dans ce cas, il a cité d'abord le janaza, parce qu'il nous arrive de le faire souvent, alors que le jihad fi sabilillah, il se peut que tu sois dans une époque où il n'y a pas besoin de jihad fi sabilillah, parce que personne ne t'a fait du mal, personne n'a attaqué ta religion, personne n'a expulsé de ta demeure, personne ne t'a volé, donc tu n'avais pas besoin de lutter dans le sentier de Allah Azza wa Jalla. Donc là, vous comprenez pourquoi le Bukhari a cité ce hadith dans ce chapitre, mais il va le citer dans le chapitre de l'janaïz. Et là, ça se voit parce qu'il parle à proprement dit de Al-Janaza, ce hadith. Sallallahu tabaraka wa ta'ala, an yinfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yinfa'una. Inna wa ala dhalika qadir wa l'ijabati jadir. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.